Hortus Focus présente Initiative Naturbanio. La végétalisation des villes, ce n'est pas seulement une marotte marketing. Dans des pays hautement urbanisés, c'est une nécessité pour maintenir la biodiversité et les abeilles en vie. Mais aussi pour donner aux urbains des espaces de respiration. À Rosny-sous-Bois, c'est le toit du centre commercial Domus qui va se couvrir de fleurs et de plantes potagères. Un projet mené avec la Fondation Georges Truffaut et un jeune jardinier de l'école Dubreuil à Vincennes. Premières arrivées, les abeilles des ruches CityBuzz. Je m'appelle Volkan Tanassi, je suis fondateur de CityBuzz, apiculteur urbain. J'installe des ruches sous le toit des entreprises de Paris et des régions parisiennes. Rosny-sous-Bois pour installer des ruches, ça vous paraît intéressant? Depuis fin mai, on a installé des ruches ici. Et c'est vrai que je connais pas très bien les végétations pour l'instant autour, mais mes abeilles m'ont montré en fait est-ce qu'il y a assez de sources ou pas. Pour l'instant, elles se portent bien, elles trouvent des choses à manger et aussi à partager. On a déjà du miel. Les premières vraies récoltes, ce sera au mois de juillet, fin juillet. De toute façon, après, c'est la fin de la floraison, à peu près partout. En France, si on ne déplace pas les ruches, on peut déplacer vers tournesol, dans différentes de fleurs. Mais nous, en ville, on ne déplace pas. On laisse toujours le même endroit. Et ensuite, ce miel, il va devenir quoi? Je produis le miel pour le centre commercial de Domus. Alors, je vais faire la récolte, je vais faire extraction et mise en pot. Et je vais donner tout le miel. À eux. Une partie de toit va être végétalisée. On m'a demandé mon avis, en fait, quelles fleurs il faut planter. J'ai envoyé une liste de fleurs millifères. Je crois qu'il y aura pas mal de choses à butiner bientôt sur ce toit. C'est déjà, les abeilles commencent à butiner petit à petit, même les abeilles sauvages. On va faire un coin paradis ici. Mais les gens, les visiteurs de Domus, les clients, vous pouvez venir, peuvent profiter, regarder les abeilles, les butines qu'elles travaillent. Voilà, c'est un très joli endroit.